La France, chassée du Mali, Barkhane et Takuba, c'est fini. L'opération néocoloniale française sur le sol malien est terminée. La France annoncera très prochainement le retrait définitif des troupes françaises et européennes au nord du Mali. Une décision qui fait suite à un regain de tension entre les deux capitales, Bamako et Paris. Une politique néocoloniale de la France qui a rencontré très peu de succès sur le continent et dans la région des trois frontières. La France est aujourd'hui chassée du Mali car elle refuse de revoir sa copie diplomatique sur le continent africain. Les autorités françaises qui confondent les époques continuent de penser que l'Afrique est un patrimoine qu'elle devrait continuellement piller avec la complaisance d'un Occident en déclin. Dès à présent, nos regards se tournent vers le Niger, le Burkina Faso et enfin le Tchad du fils Déby. La France doit avoir le courage de quitter pacifiquement les terres africaines avant que l'inévitable ne se produise. La lutte contre le terrorisme relève exclusivement des prérogatives des États souverains et indépendants africains. Le colonialisme et le néocolonialisme, c'est terminé.